Bienvenue à votre séance de Yoga Nidra. Étendez-vous confortablement sur le dos, les yeux légèrement clos, les jambes quelque peu entrouvertes et les pieds détendus vers l'extérieur. Placez les bras le long du corps, les paumes des mains dirigées vers le ciel. Recherchez une position confortable, de façon à pouvoir rester immobile pendant toute la séance. Prenez une grande inspiration et, avec l'expiration, laissez-vous aller en essayant de lâcher toutes les contractions musculaires inutiles. Percevez tous les bruits extérieurs avec attention. Déterminez celui qui est le plus retentissant et portez toute votre attention sur celui-ci, sans chercher à le caractériser, ni à tenter de repérer sa provenance. Essayez simplement de rester à l'écoute, témoin de cet instant présent. Laissez ce bruit et écoutez-en un autre, mais qui soit le plus menu que vous puissiez entendre, à peine audible. Puis, laissez-le partir. Vous êtes dans une séance de Yoga Nidra. Gardez la vigilance. Résistez à la somnolence. Ressentez la lourdeur de votre corps allongé. Prenez conscience du poids de chaque contact de vos membres avec le sol. Les talons, les jambes, les fessiers sur le plancher. Sentez bien votre bassin, le dos, vos omoplates, et l'arrière de la tête avec la terre. Intensifiez ce contact. Vous devenez plus pesant, plus dense. Sentez l'air sur votre peau. La limite entre l'éther et votre corps semble de plus en plus diffuse. Votre corps paraît plus léger. Vous êtes l'univers et celui-ci est en vous, flottant ainsi parmi les autres. Vous planez dans un silence céleste. Aucune manifestation, que le vide. Vous êtes ici avec un grand pouvoir, celui de réalisation. Nous allons maintenant passer à notre affirmation positive. Amusons-nous tout au long du processus, tout au long de cette quête d'une vie beaucoup plus agréable et joyeuse. Et débutons avec ce qui compte plus que tout, l'amour de soi.
Les affirmations sont comme des semences que nous avons mises en terre. Elles germent, puis les graines se forment et la première pousse perce le sol. Il faut un certain temps à la semence pour devenir une plante mature. Le Sankalpa est une résolution, une affirmation positive, un désir profond de se transformer soi-même ou de transformer une habitude. Une intention de réformer profondément un aspect de notre vie. C'est en quelque sorte un vœu sans désir. Un vœu sincère, exprimé avec conviction, mais sans la force impulsive du désir. Dans cet instant qui vous est accordé pour vous seul, exaucez votre vœu le plus profond, votre Sankalpa. Énoncez-le à 3 reprises en utilisant votre pouvoir d'accomplissement. Vous êtes dans une séance de Yoga Nidra. Gardez la vigilance et résistez à la somnolence. Le Sankalpa d'aujourd'hui est « Je suis en sécurité, je vis dans la gratitude et je suis amour. Je suis en sécurité, je vis dans la gratitude et je suis amour. Je suis en sécurité, je vis dans la gratitude et je suis amour. » Relâchez le front, le poing entre les 2 sourcils. Relâchez bien tous les petits muscles autour des yeux. Relâchez le nez, les ailes du nez, les joues, la mâchoire. Relâchez bien la mâchoire. Les dents s'effleurent à peine. Relâchez le menton. Laissez la détente se déposer sur votre visage. Posez votre attention sur les bruits extérieurs, sans vous y attacher. Juste percevoir leur présence. Maintenant, les sensations de votre corps. Réajustez la posture pour être plus confortable. Respirez. Relâchez votre corps. Laissez aller vos jambes et vos bras. Laissez la détente se glisser dans votre corps. Écoutez maintenant votre respiration. Observez son mouvement naturel. Inspire. Expire. Suivez ce mouvement. Devenez le témoin de votre souffle.
Allongez vos inspires et allongez vos expires. Prenez conscience des longues inspires. Prenez conscience des longues expires. Prenez conscience des longues inspires. Prenez conscience des longues expires. Sentez le ventre, la poitrine qui se soulève et qui s'abaisse. À chaque expire, laissez un peu plus de paix se glisser en vous. Un peu plus de calme s'installer. Laissez à chaque expire votre corps se relâcher, les tensions glisser et s'effacer. Prenez le temps de respirer encore. Ressentez le bien-être apporté par l'inspire. Ressentez la détente apportée par chaque expire. Laissez vos soucis s'en aller. Laissez vos tensions s'en aller. Sentez votre corps qui se détend. Ressentez le bien-être qui s'installe. Vous allez détendre le corps plus profondément encore en posant votre pensée sur les parties du corps que je vais nommer. Prenez conscience de votre main droite. Laissez la main droite se détendre. Puis le poignet droit, l'avant-bras, le coude, le haut du bras droit, l'épaule droite, votre bras droit est relâché, déposé. Laissez votre pensée aller vers votre main gauche. Laissez la main gauche se détendre, puis le poignet gauche, l'avant-bras, le coude, le haut du bras, l'épaule gauche. Votre bras gauche est relâché, déposé. Les deux bras sont relâchés, déposés. Laissez maintenant votre pensée aller vers votre pied droit. Prenez conscience de votre pied droit. Relâchez les dessus du pied, le dessous du pied, tous les orteils. Laissez le pied droit s'abandonner à la détente. Relâchez la cheville droite, le mollet, le genou, la cuisse, l'arrière de la cuisse, la hanche, la fesse droite. Prenez conscience de toute votre jambe droite et laissez votre jambe droite se détendre. Laissez maintenant votre pensée aller vers votre pied gauche. Prenez conscience de votre pied gauche. Relâchez le dessus du pied, le dessous du pied, tous les orteils. Laissez le pied gauche s'abandonner à la détente. Relâchez la cheville gauche, le mollet, le genou, la cuisse, l'arrière de la cuisse, la hanche, la fesse gauche.
Prenez conscience de toute votre jambe gauche et laissez votre jambe gauche se détendre. Prenez conscience de votre dos maintenant, de tout votre dos, de haut en bas, de bas en haut, du côté droit de votre dos, du côté gauche de votre dos, de l'omoplate droite, de l'omoplate gauche, de la colonne vertébrale, des lombaires, de la cambrure peut-être de vos lombaires. Prenez conscience des muscles de votre dos. Relâchez-les. Laissez le dos s'abandonner à la détente. Sentez votre dos détendu, relâché. Amenez votre pensée vers votre ventre. Prenez conscience de votre ventre. Relâchez-le. Imaginez que les organes se relâchent, glissent, se détendent. Amenez votre pensée vers votre thorax. Ressentez les côtes, le dessin de la cage thoracique. Imaginez vos poumons. Votre cœur, il se relâche, se détend. Prenez maintenant conscience de votre nuque, de vos vertèbres cervicales. Laissez la nuque se relâcher, se détendre. Prenez conscience de votre tête, du sommet de votre tête, du front, relâchez votre front, relâchez vos sourcils, laissez les yeux se déposer dans les orbites, laissez les petits muscles autour des yeux se détendre, profondément. Prenez conscience de votre nez, de vos narines, de vos joues, l'intérieur des joues. Prenez conscience de votre bouche, de la lèvre supérieure, de la lèvre inférieure. Relâchez les petits muscles autour de la bouche. Desserrez les lèvres, les mâchoires, les dents. Déglutissez pour bien détendre votre gorge. Relâchez bien tout votre visage. À présent, laissez votre pensée descendre jusqu'au bout de vos pieds. Reprenez bien conscience de vos deux pieds, de vos deux jambes, de votre dos, de vos bras, de vos mains, de votre ventre, de votre thorax, de votre tête, de votre visage. Prenez conscience de tout l'arrière du corps. Prenez conscience de tout l'avant du corps. Prenez conscience de votre corps en entier, dans sa totalité, son unité. Relâché, détendu, bien détendu. Vous laissez cette détente s'approfondir encore. Vous êtes dans un état agréable, profondément calme, tranquille. Je vais décompter de 10 à 1. À chaque compte, vous allez laisser la détente s'installer plus profondément, de plus en plus profondément. À chaque compte, à chaque chiffre. 10
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Le corps est relâché, l'esprit est calme et apaisé. Lorsque le corps est calme, apaisé, nous pouvons aller dans le monde de l'esprit. Vous allez penser, imaginer, dessiner avec les fils du rêve un ruban vert qui serpente dans une prairie. Il s'agit d'une rivière, un modeste cours d'eau de 2 mètres de large environ. Cette rivière n'est pas profonde, à peine 50 cm de profondeur. Au long de cette rivière serpente un chemin. Je vous invite à l'emprunter. Il épouse les contours de la rivière. Il fait partie d'elle. En contemplant l'eau, imaginez que vos soucis filent avec les feuilles que le courant emporte. Elles rejoignent un autre cours d'eau qui les amènera loin, très loin, dans la mer. Vous respirez calmement et vous ressentez la fraîcheur de l'eau qui règne sous un dôme de verdure. Bourdonnement de l'eau qui cascade et glisse. Observez bien le cours d'eau. Il n'est pas le même partout. Il y a des remous, des endroits où, l'on ne sait pourquoi, le courant s'accélère. À d'autres endroits, il ralentit. Au milieu de ce gros ruisseau, des pierres qui ont retenu des feuilles ou des branches font de petits barrages. Regardez-les. Regardez l'eau plus calme dans ces zones de petits barrages. Regardez-la glisser par les côtés. Thank you.
des plantes dont les racines sont accrochées au lit de la rivière forment à la surface comme une chevelure végétale. Il s'échappe comme une odeur de mousse. Vous suivez toujours le sentier. Vous vous sentez bien. Vous vous sentez calme. Un petit pont de pierre vous permet de passer sur l'autre rive et rejoindre un chemin. Vous avancez toujours, calme et tranquille. L'endroit est reposant, solitaire, sans aucun danger. Vous ne ressentez que le calme de cette nature verdoyante. Et vous observez tous les bruits, les chants d'oiseaux, les bruits des insectes, le craquement des brindilles dû à vos pas. Observez la nature autour de vous. Observez, dessinez-la, créez-la, ressentez-la. C'est un instant hors du temps, un moment qui vous permet de vous ressourcer. Retournez et allez vers le petit pont de pierre. Vous le traversez et prenez le chemin du retour. Vous vous souviendrez de la lumière particulière de cet endroit sous les arbres, du parfum, des couleurs, des odeurs que cette charmante rivière vous a offert. Vous êtes dans une séance de yoga nidra. Gardez la vigilance et résistez à la somnolence. La vérité est maintenant présente dans tout votre être et cela vous rappelle que vous pouvez accéder à vos souhaits les plus profonds grâce à votre foi en vous-même et à votre grandeur de conviction. Vous vous rappelez de votre sankalpa, votre affirmation positive du début, et l'invoquez à nouveau à 3 reprises. Je suis en sécurité, je vis dans la gratitude et je suis amour. Je suis en sécurité, je vis
dans la gratitude et je suis amour. Je suis en sécurité. Je vis dans la gratitude et je suis amour. Vous allez lentement reprendre conscience des bruits extérieurs, de ce qui vous entoure, de votre présence dans cette pièce. Reprenez doucement conscience de votre position, conscience de votre corps. Revenez doucement vers la surface, à votre rythme. Sans vous brusquer. Revenez dans le respect de vous-même. Prenez le temps de revenir, d'être ici, d'être vous-même. Vos doigts de main retrouvent le mouvement, ainsi que vos doigts de pied. Vos poignets et vos chevilles font de douces rotations. Puis au gré d'une grande inspire, vous vous étirez, vous bâillez. Puis, vos jambes se plient, vos bras les entourent, et vous massez tranquillement votre dos en basculant à droite, à gauche. Puis, vous vous déposez sur le côté. Reprenez contact avec le sol, avec les sensations du sol. Et lorsque vous vous sentirez prêt, vous pourrez repousser le sol avec les mains et venir vous asseoir un instant.